J'ai un truc qui me trotte dans la tête. Le cahier comme des cailloux se referme dans mon cerveau. J'ouvre la fenêtre, personne ne m'appelle. J'appelle, personne ne répond. Moi-même sans réponse, je cours à la question jamais élucidée. Car j'ai un truc. Je me lève, le corps s'étire doucement. Je retrouve le boss qui m'attend. Le vol ne bouge pas, il est toujours là pour moi. Si je ne suis pas là, le vol n'existe pas. Le verre se balade et se remplit et se vide et marche au fond de ma tête. Le verre a des pattes qui me poursuit. Le vol, il ne bouge pas. Le café se moue et se broie. Le verre se boit. Lui, le verre n'a pas de bol. C'est de la pénombre.
cette ombre. Lila. Hein? Lila. Pardon. Lila. 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 Que je plie la fleur? Non. Que je plie. La déception des milieux du temple, juif, les siens ne se l'ont pas reconnu, j'ai déjà souffert. Hein. Donc, étant donné que je suis avec Fa, c'est la joie de créer en dehors des dictates des autres et que l'on ne nous fasse pas croire à dire ce que nous sommes à être par d'autres. Trop compliqué. Il y aura des lacets, il y aura des courbes, des plissés, des emportés, des chevauchés et doutes jusqu'au point culminant et d'eau descendre pour pouvoir y remonter. En gravissant une montagne, il faut bien redescendre pour remonter la prochaine montagne. À trop s'accrocher au réel, on finit par s'épingler dans une boîte en verre, mourir au fond d'un bocal, au formol et à tournoyer en rond. Avant d'être fiché comme tel, et une étiquette en dessous de ton corps mort, vidé de son sang et de sa nature, peut-être indéfiniment permanent, immobile, dans le bleu du temps, que quelques curieux iront fouiner au fond d'un tiroir de bibliothèque ou d'une cave de musée dans le noir, d'où tu ne sortiras que par la force de l'imaginaire, nu comme au premier temps, nu comme un ver de terre. Tout est dit. Et je compte le cultiver. Vas-y boire. Vas-y boire. Dans cerveau. Voir y mettre le doigt. Voir. De ceux qui se transmettent par l'antenne des sens. Voir si cerveau, orgasme, comme il s'y prend, lui, la machine, a orgasmé la pensée. Comment titille-t-il, lui, dans son sac d'os, flotte dans une cage interne, sans internet virtuel, juste imaginaire, à torturer le présent. Torturer. Marguerite Arus du...